Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec trois petites olives pour mettre sur une entrée ou pour servir tout simplement à l'apéritif sans les poser bêtement. Vous allez voir, c'est très simple, ça va très vite. Il vous faut un couteau, des olives. Alors, vous prenez votre olive, vous la posez et vous coupez une petite base. Comme ça. Voilà. Là, vous coupez petite entaille en biais. Pas trop, c'est pas nécessaire. Et le petit bout qui vous reste, vous coupez un petit triangle dedans. Comme ça. Voilà. Et ça, vous le glissez dans l'entaille. Voilà, vous avez un petit lapin. Alors, nos petits lapins sont prêts. Et pour ceux qui veulent s'amuser un tout petit peu plus, on va préparer un petit cornet avec papier sulfure. Voilà, pour faire un bout comme ça, vous coupez un carré et vous le coupez en deux. Ensuite, vous prenez le côté le plus long sur votre gauche, la pointe, vous tournez comme ça, dessus, et celle-ci, vous tournez encore une fois dessus. Voilà, vous mettez votre doigt dedans et vous tirez, tout simplement. Voilà. Vous le serrez, bien serré, et votre cornet est prêt. Là-dedans, on va y mettre du beurre pommade. Voilà, le beurre pommade est prêt, il doit être pommade, mais pas fondu, jamais fondu, comme ça. Vous mettez ça dans votre cornet, et le cornet, vous mettez bien à plat, et vous tournez bien. Il faut bien serrer jusqu'à ce que vous arrivez au bout. Arrivez au bout, prenez le couteau et vous coupez ici, sur la planche, comme ça, tac, un tout petit bout. De façon à ce que le beurre puisse sortir. Et avec ça, vous prenez vos petits lapins et vous y mettez, comme vous voulez, des lapins contents. Des lapins. Content, vous pouvez leur mettre même des cheveux pour les enfants si ça les amuse. Voilà. Une moustache, une bouche ou tout simplement deux yeux ou rien du tout. Vous pouvez faire des chinois. Voilà.